Bonjour, bonjour à tous et à toutes, ici Pharo et Sadius, on se retrouve juste après le premier épisode pour la suite de Far Cry 6, le contrôle de Pagan avec Scarius Von Rosen. On va aller donc, on vient de... Ah, je tombe. Non. Ah, il fait le fou. C'est on est foutu. Oh non, il y avait un coffre et je suis tombé. Bon. Qu'est-ce que tu fous? Je fais de la merde. Mais je crois que c'était fun. Non. Ah, oh, j'ai rien vu en tout cas. Bah allez, je descends aussi. Bon. Con que j'ai pas fait. Notre qui. Voilà. Ça sort d'où la machette, Pagan? Faut même pas que je réponde. Par contre, j'adore. Je viens de faire une chute assassine et je l'ai vu. La machette de Pagan est dorée. J'adore ce personnage. Nice. Donc on a découvert quoi? On a découvert que Pagan était bisexuel, qu'il tenait énormément à sa fille, que c'était un bon père, qu'il aime bien le modèle américain pour l'éducation des enfants. J'ai failli t'en coller. Se prendre pour Dieu. Je ne laisserai pas cette religion abjecte me prendre ma fille. Alors, moi, j'ai 2930 points. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais retourner de nouveau à l'armurerie et on va tenter de faire... Salut. Je sais pas combien t'as de points de respect. C'est en haut à droite, hein, celui-là. Ah, j'ai 1007. Ouais, alors je vais quand même en dépenser, on sait jamais. Il suffit qu'on fasse. Faut aller en dépenser. C'est où ce? Ah, il est là. Il suffit qu'on se fasse éclater la gueule par Mohan Gale ou je ne sais pas qui Gale. Ou Gale? Ah, c'est pas Gamine pour le coup, mais. Bon. Pas Gamine? Pardon. Pas game. Au secours. Au secours, hein, moi je vais rater l'avion. Ah, pardon. Une propre référence à mon vrai prénom. Ouais, parce que son vrai nom s'appelle Grégoire. En fait. On blague à part. Allumant, pas grave. Et quoi? Je parlais de moi, couillon. Oui, je sais, je t'embête. Oh. J'adore te taquiner. Moi, j'aime bien te traiter de Sekpa. Alors. On va en rester là. Et pour ce qui est du pistolet... Oh la wingsuit, voilà. Vous conservez jusqu'à 500 points de respect après votre mort. Oh, c'est bien ça. Vous conservez jusqu'à 1000 points de respect après votre mort. Mais j'ai quand même augmenté la santé avant. Oh, par contre, rendez-vous le dernier lieu où vous êtes mort pour récupérer la totalité de votre inventaire, ça c'est pété. C'est pété de thunes, ouais. Bah tu te dis au moins si tu meurs contre un Utgard sauvage, bah, tu peux récupérer ton stuff quoi. Ah, bah, tu te tires en même temps, couillon.
Non, je testais le Wingsuit. Bah tu m'as TP. J'attendais pas à ce que le Wingsuit m'amène aussi loin. Ah blague à part, tu m'as TP de toute façon. Ouais. Ah bonne distance quand même, le Wingsuit. t'as pris la Wingsuit. Moi je l'ai pas pris. C'est pas dans mes prix. Je suis intrigué par cet endroit. Charouille, mon petit. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Je n'ai jamais dit des horreurs pareilles! Non! Mais tu les as pensées! C'est absurde! Quelqu'un pourrait entendre, il y a peut-être des gens qui écoutent. Là-bas, en dessous! Payez pour ce crime! Je l'ai tué jamais! Il est là-bas! Mais monte, crétin de turc! De cette tour commence sérieusement à me gonfler. En plus, c'est de la banale. Ici, c'était une déesse. Et elle m'avait. Bien, par où on monte? Je suspecte que c'est par là. J'en ai marre qu'on me demande comment je vais. Honnêtement, la mort de Lakshmana est une bonne excuse. Après tout, ça justifie ma violence. Ça marche. J'espère qu'Ishwari ne va pas ramener le bébé cette fois. Oh, ces cris. Ils me fendent le crâne en deux. Et j'en ai marre de devoir la partager avec cette petite chieuse. D'accord, elle est mignonne. Mais moi aussi, j'ai besoin d'attention, quoi, merde. Ishwari est obsédé par moi, c'est ça? Bien sûr que je l'aime, mais je ne peux pas m'attacher à une seule personne. Serait-elle furieuse si elle savait pour les autres en son absence? Sans doute. Mais ce qu'elle ignore ne peut pas la blesser. Ni moi. Pourquoi je suivrais une femme qui a eu le culot de me quitter? Pour l'Amérique, en plus. C'est un banal. America. Fuck you. C'était une déesse. Et elle m'avait. Franchement, elle aurait au moins dû partir dans un coin intéressant. Ah, je me suis montré. J'espère que Marie ne va pas ramener le bébé cette fois. Oh, ces cris. Ils me fendent le crâne en deux. Et j'en ai marre de devoir la partager avec cette petite chieuse. D'accord, elle est mignonne. Mais moi aussi, j'ai besoin d'attention, quoi. Merde. J'en ai marre. Je l'ai seulement pensé tout bas. Et inconsciemment, c'était pas volontaire. Eh bro, tu vas comment? Si on me traite de méchant, je les amadouerai avec vous. Quand ma fille a été assassinée par ce terroriste, mon cœur s'est brisé. La tout gassée, une partie de moi est morte. Oh, j'ai toujours adoré la radio. Je ne serai plus jamais le même. Jamais. J'ai envie de dire, tu as un physique de radio, mais c'est trop attendu. Et puis, tu es déjà... Tu as un physique de radio qui reflue. En pensant à elle, t'entends désespérément d'échafauder un plan pour l'arracher aux griffes de sa brute de mari. Oh, Ishwari. Oh, petit coffre. J'ai toujours voulu récupérer Ishwari. À la seconde où elle est partie, j'ai su que j'aurais dû faire plus d'efforts.
Mais j'avais un devoir envers ce pays. Le devoir de gouverner. J'ai donc laissé de côté mes désirs égoïstes. Et j'ai gouverné. Chaque fois que j'apercevais ma fille, j'avais l'impression de voir le soleil pour la première fois. Je ne pouvais pas la quitter des yeux. J'en perdais tous mes moyens. Maintenant qu'elle est morte, je garde ses souvenirs précieusement. Une seule femme a vraiment compté pour moi, c'est vrai. Je me réveillais en pensant à elle, tentant désespérément d'échafauder un plan pour l'arracher aux griffes de sa brute de mari. Oh, Ishwari. Chaque fois que j'apercevais ma fille, je ne pouvais pas la quitter des yeux. J'en perdais tous mes moyens. Maintenant qu'elle est morte, je garde ses souvenirs précieusement. J'ai toujours voulu récupérer Ishwari. À la seconde où elle est partie, j'ai su que j'aurais dû faire plus d'efforts. Mais j'avais un devoir envers ce pays. Le devoir de gouverner. J'ai donc laissé de côté mes désirs égoïstes. Et j'ai gouverné. Ah là, il y a une porte mémorielle. Alors on va l'emprunter. Allez, je prends la porte. Ah, vas-y. Elle mène au palais royal. Oh putain, pour un palais royal, putain, c'est... What the fuck? C'est très royal, ça, c'est sûr. Putain, il est en gold massif, le machin. D'accord. On doit faire les trois épreuves pour accéder au palais royal et puis sauver sa famille, d'accord. Bah oui. Ah, je crois qu'il y a une... Non, je crois qu'on l'a... Je sais pas si on l'a déjà fait. On va voir ça. La mitraille. Ah. C'est pour moi. Oh, fallait pas. Ah, je le ressens que j'ai plus de PV. Ah,
Ou les grenades. Lance flamme illuminée, c'est bon. Quelle tannée. Bah voilà. Soldat portugais éliminé, bien joué. Oh, mais c'est la MP30. Oh, c'est trop bien. Tiens, tiens, mais ça me dit quelque chose. Un peu de Dutch qualité, ça fait plaisir. Ah, d'ailleurs, je crois que les attributs permanents, on peut se les... On peut les... Il n'y a pas besoin d'aller à l'armurerie, hein, pour les augmenter. Bordel, tu viens de m'apprendre un truc. En même temps, j'ai jamais trouvé ce menu. Ah non. Non, 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 tu peux pas l'améliorer. Ah oui, tu sais. Au moins, tu peux savoir combien d'argent il te faut. C'est ça, ça c'est pas mal. Si t'as un doute. J'aurais préféré un MP40, mais bon, ça fait la fine bouche. Attends, j'ai un peu de respect à prendre. Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Bah oui. Ah, je suis situé. Ouais. Darkest Dungeon se met au roguelike. Pathfinder se met au roguelike. Far Cry se met au roguelike. Et maintenant Hitman se met au roguelike prochainement. Eh bien, avant ça, il y avait Cerberus Rogue. À quoi? Cerberus Rogue, il doit se sentir honoré qu'on fait autant de rogues sur lui. Moi j'irais promesse tenue. C'était nul. Voilà un petit karma pour ma gueule. Je suis un peu occupé là. Voilà. Ah oui, ce son. Qu'est-ce que j'ai là, Reggie? Je suis fou. En fait, ça fait quoi si la nuit tombe? Repère dans la campagne. Oh, il y a un repère pas loin. What the fuck? C'était quoi ce machin? Un fantôme. Ça te hurle et ça te fonce. C'est une malédiction, papa. Tu peux y entrer et tout ira bien, je t'assure. Oh, pardon, chérie. Tu voulais rentrer? C'est quoi ce fantôme, what the fuck? C'est ça la nuit, qui se passe? Tu te fais harceler par des fantômes. C'est toute la racaille. Mais tu gagnes plus de fric. Si tu restes la nuit. Oh. J'espère quand même. Je vais en profiter pour avoir délogé un lieu pour voir si je peux pas augmenter ma santé. Ah bah parfait. Voilà. Bon. Ooh, nice. Garde ça. Sympathique le pistolet.
Ça manque de dorure. Bon, blague à part. Ah, il est répliqué de signe, il n'a pas besoin de mettre une dorure. Tu penses qu'il y a moyen de passer la nuit? Je crois, mais là on n'a pas besoin, on a assez de skill. Non, on sait juste se faire harceler, ça va 5 minutes, tu vois. Moi, tant que je gagne du respect. Et tant qu'on me respecte, ça va. Chut. Non, c'est bon, c'est juste une saloperie normale. Garde ma mion PLS. J'en ai assez de ce manque de respect flagrant. Bon bah allez, c'est reparti. Je ne laisserai pas t'approcher de cette statue. Merde, 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 je suis loin. Je dois me rapprocher. Regarde les tueurs d'élite. Je vais te rayer de l'histoire, tu diras. Personne ne se souviendra que tu as existé. C'est bon. Non. Ah, trop loin. Merde. Oh, c'est quoi ce bordel? Faut juste que je me mette en bas de mer. Cher. Bien. Il est en train de cramer. Oh là, j'ai défoncé. Ma statue. Non. Désolé, tu me gênes. Alors. Ça, je veux bien. Protection contre le feu, ouais, non, ça, ça va. D'ailleurs, les emplacements en amélioration, bah, tu peux les acheter. tu peux en acheter sur place.
Ouais, ouais, ça je sais. C'est cool. Par contre, ça commence à être de plus en plus. Ah oui, bien sûr. Eh, hey, les coffres. Alors. De toute façon, il y a encore du respect qui traîne, je vais aller le ramasser. Eh, hey, dis donc, on dirait Batman. Batman! Ça y est, fou jeune. Bon. Ah bah parfait. Ah. Ah bah je me bah, suis... Des manchis. Un simple là, fantôme. Attends, il y en a deux qui arrivent. Non mais arrêtons qu'ils soient là. On va courir après le respect. Le respect vient à nous. C'est quand même mieux. Qu'est-ce que c'est? Ok, j'y vais. Pas nous tuer. Hop là. À pompe pour la maison. Ouais. Par contre, le fusil à pompe, il est dégueulasse. Viens voir! Enfin, viens voir! C'est trop énorme! Et regarde ce que je viens de trouver. Ensuite, je suis compris que je ne faisais que me servir de la mort de Lakshmana pour justifier tous mes caprices. c'est ta voix, mais en mode Nimbus. Ah, il faut juste la tirer dessus pour la récupérer. Pas loin de Panabour qu'on va pouvoir faire. Ah oui, bah ah oui, c'est vrai qu'on l'a pas, on doit la refaire maintenant. Je me demande où est le troisième. On verra ça plus tard. Ah bah si on l'a réussi avec le pistolet, je meurs. Ah ouais, clair. Bon, tu me diras, les fantômes à la con. Bon, ça, les fantômes font pas chier pendant l'émission. C'est que sur le chemin. Cet endroit me sort par les yeux. Où est mon briquet? Bon, bah, c'est retarpi. Ah, ça, je m'y attendais pas. C'est assez cathartique. Balle de paillet. Bon, je connais les endroits allumés, c'est bon. Il
Mon armée était vraiment incompétente, c'est fou. C'est pas si difficile. C'est parce que ce n'est pas réel. Oh, toi, ferme-la. Le sentier d'or ne meurt jamais. Jamais! Moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Comme tu veux. Ah, c'est bon, j'ai. Non. Voilà, c'est le bon. Sentier d'or. Maintenant, on va tomber sur moi. Je crois que je les ai tous eus, non? Je vais te tuer comme j'ai tué ta fille. Nul ne peut arrêter le sentier d'or. Je prends le knife, j'arrive. Je ne peux pas vous arrêter. Allez, mes guerriers. Je me suis pris ma propre dynamite sur la gueule. Ah bah bravo. Bravo le veau, j'arrive. Oh les petites putes sur les toits. Merci. Tu ne peux pas vous arrêter. Allez, les guerriers, achevez-le. What the fuck, dude? Je me suis pris explosion, mon gars. J'ai plus de kit de soin, j'ai plus de vie. Mon fils finira ce que j'ai commencé. Mais bon, merde. C'est le trou ou pas? Bon. Non, pas encore, je le cherche. Bah, il arrive. Toi, il est marqué. Hein. Suis-moi si tu veux. Le sentier d'or triomphera. Voilà, c'est bon. Ce n'est pas terrible. Ah merde, j'ai passé. Allez. Enfin, une fois terminé, il sera splendide. Dévasté par la perte de sa famille, le roi Pagan se jeta dans la bataille. Ah, non. Ça manque de pathos. Le roi ne laisserait si je peux pas avoir un petit peu de respect sans prendre un autre de ses enfants. Non. J'ai laissé traîner un pouvoir qui m'intéresse même. Un stock, et je ainsi, peux monter, il faut il donna sa 1500 chez 1400. Pas seulement pour protéger son fils adoptif. Ah, au pire, je sais qu'on... Non, je vais m'en séparer, là. Ah bah, mon pouvoir a disparu. Je pense pas.
Alors, que dire ? Ah, il est ici le dernier, ok. Il est au lien mémoriel 1. Ouais, il faut passer cette porte. Alors, que dire ? Qu'on m'a tiré dessus dans ma propre maison ? Que mon hélicoptère a explosé en plein vol ? Non, 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 ce n'est pas une fin digne de moi. Sauf que... Mmh. Éventuellement, avant de faire la mission prochaine, j'aimerais bien dépenser mes points. Un mensonge de plus ou de moins. Je veux moi qu'on je me croie mort, pas ennuyeux. Bon. Alors, voyons voir. Ouais, c'est cet endroit où... Ah, la prison de Durgesh. Oui. On ira après. Je vais aller maintenant. On va y aller après. On va d'abord retourner à la table à manger. Chercher du saucisson doré. C'est moi, j'ai des morceaux de dynamique. Attends, c'est quoi ça? Oula. Je me dis, c'est quoi? C'est encore Michael Bay qui fait des cordes. Et encore plus de respect. Ah, ça c'est une porte. Ah, une porte. Oh, dis donc, quel sens du diagnostic, mon petit. Par contre, je sais pas où elle mène, donc je prendrai la porte. Je prendrai cette porte après le pouvoir. Allez, augmenter la santé. Ah bah voilà, la Wuxing, le parachute et le grappin. C'est parfait, ça c'est bien ça. Bien là. Bon, on y va. Geronimo. Juste comment la Wing Suite? Alors, en tout cas, sur mes commandes à moi,
Je me jette dans le vide et après on me demande d'appuyer sur Shift. Ah ouais. Ah. Sérieux? Caillou dans la gueule, ça. Heureusement qu'on a dépensé nos points. J'espère. C'est quoi ça? Ouais, mais je te remercie, j'ai tout perdu, espèce de trou du cul. Ouais. Putain. La loose la plus complète. Bon, t'as moins gardé tes pouvoirs permanents, c'est déjà ça. J'ai rien, ouais. Pouvoir permanent, m'en bat les couilles. Excusera, hein, en utilisant ta wingsuit de merde, je suis quand même mort. Ça me rappelle la première fois que je l'ai utilisé. Allez, j'ouvre la porte. La maison d'Ishwari, là, tiens. Très intéressant. Eh, mais je suis plus armé, mon gars. Hein. Ah merde! Et ici, je te dis, j'ai tout perdu, mais espèce de sec-pave! Putain! Ah ouais, quand t'as dit tout perdu, j'ai pas pensé. Oui, tout stade. Perdu, espèce de bouffon! Putain! Pas possible d'avoir des potes aussi cons! Attends, je rouvre la porte pour que t'ailles chercher du dé... au moins un pistolet. Je peux pas, mais j'ai déjà. Mais j'ai déjà un flingue, putain! Oh, je te jure, mais. Ah, après, il faut pas t'étonner que je t'appelle Sekpa, mon gars! Là, tu me dis que t'as plus rien, mais que t'as un pistolet, c'est que t'as pas rien! Si, j'ai plus rien de ce que j'ai! Couillon, ah, carayou! De toute façon, t'as plus de revenus, il va falloir aller farmer. Ouais, j'ai plus de revenus, j'ai plus de fric! Ouais, 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 c'est ça! En t'as tant que roi, t'as plus de revenus, quoi! Là, t'as encore à confondre revenus et argent! Ah, bon, putain, c'est bon! Et encore, techniquement, c'est pas de l'argent, c'est du respect! On s'en fout! Dire qu'à ce stade là je t'ai pas respecté, ça c'est sûr. Oh oui, tu me respectes dans ce cas là, tu me respectes jamais. Hein. Sa maison elle est où? Elle est en dessous? Dans ton cul. Ah là, je voulais le dire. Aïe, aïe, aïe. Ah non, ça c'est le palais. Ah, viens voir là. Un truc bizarre. J'ai entendu un truc bizarre. Je sais pas, je l'ai entendu par là. Ensuite, j'ai compris que je ne faisais que me servir de la mort de Lakshmana pour entends justifier tout. Ouais, ouais. Oh, je le vois. En fait, il est là. Regarde, il est là, il est pendu par les pieds. J'ai tué tant de gens pour eux. Ensuite, j'ai compris. Pour des jours, mon 6 semaines. Mais. Caray. C'est bon. Voilà. Tu sais, j'entends un truc bizarre. Je suis. Attends, c'est quand même. Ah non, c'est petite idole ça. Maison, feu, t'es où? T'es où? Ah, j'arrive, t'en fais pas. J'arrive, mon petit Sekpa. Ah. Ah, au secours! Saloperie de toutou. Ouais, c'est harpie. C'est la maison d'Ishwari. Oh.
Que oh, celle qu'on a en face, elle est stylée. Hideuse. Eh, j'ai bien regardé, t'as la maison, elle est toute pétée à droite et elle est propre à gauche. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, genre clean. Quel secret Ishwari pouvait bien y cacher? Je sais pas, les grincements de porte. Et pas sur mon Rowin non plus. Et puis pas la télé. Par contre, ce qui est bien, c'est que tu vois les petits slots d'amélioration que tu trouves un peu partout. Ouais. Permanent. J'ai pas perdu mes slots. Ouais, ça je sais. C'est cool. Mais pas la bouffe, ce trou du cul. Putain, je vais venir chez toi, je vais tirer sur tes conserves, tu vois. Putain. Je vais te mettre un peu de plomb. Si je mettais un peu de plomb dans tes radios dans... Allez, chef, dans ta gueule! Je peux pas 13, c'est ça? Ouais, c'est pas grave. Voilà, on est à part égal maintenant! Tiens, Karma, dans ta gueule un peu! Oh bordel! Bah alors! Oh! Oh les poulets! Suis son nuggets! Vite, vite! Vite avant que la ferme se rebelle. Tout pété la maraquion. Je sais pas ce que t'essayes de faire, mais... pas grimper sur la maison. Pardon. Il avait parlé d'un sous-sol, mais il n'y a pas de sous-sol dans cette baraque. Tu dois ouvrir cette porte, nécessite une... Le journal intime d'Ishwari. Vilain garçon, Pagan, vilain. Tu as besoin de quelque chose, maman? Je peux t'aider? Oui. Oui. Ramène-moi. Je m'en occupe. Qu'est-ce que c'est? C'est tout ce que je veux. Moi, Lakshmana? Ça veut dire quoi? Maman! Maman! Merde! Non! Non! Docteur! À l'aide! Pitié! Un peu trop éprouvant pour moi, merci. Ouais, donc ça, c'était la mort de la mère. Je lui demande de la ramener au Kirat. Et toute l'intrigue du 4, c'est de découvrir qu'est-ce que c'est ce fameux Lakshmana. C'est ça. Il est d'autre que la demi-sœur des Jay. Bon, t'as fini de faire le tour de Popio ou on fait quelque chose? Bah, il faut trouver les trois autres écrits pour finir.
ils sont bien planqués en tout cas. Je crame. J'ai les boules. Ah bah parfait. Ah, clé premier étage. Je pense qu'on a accès au dernier truc. Je suis un peu perplexe. Est-ce qu'il y a un écrit dans la maison en ruine? Ah ah! C'est encore pire vu de l'intérieur. Ah bah tu peux rentrer. Fouillons le coin pour s'assurer que tout est en ordre. Ah bah les clés c'était pour les deux ombres donc ça va. Pour quelque chose ? Ah bah ouais. Ouais. C'est comme si mes yeux avaient été scellés, comme si je cherchais une raison de ne pas me fier à ce que je savais, à ce que j'ai toujours su, mais maintenant je vois, j'ai ouvert les yeux. Pagan et Mohan sont pareils, violents, obsédés par la guerre et par le pouvoir. Je suis un trophée, un bien qu'ils se disputent, un morceau de viande entre les crocs de deux chiens infamés. Comment ai-je pu laisser faire ça? Comment ai-je pu me tromper deux fois? Je veux partir et ne jamais me retourner. De quoi tu parles? Non mais tu t'entends un peu, Mohan? Tu me prends pour un abruti? Regarde-la, elle ne ressemble en rien à AJ, ni à moi. C'est une fille, un bébé. Elle n'a pas... J'en ai assez de tous tes mensonges. Tu m'as trahi, et tu as trahi ta patrie. Tu n'es pas une déesse. Quant à cette chose que tu as mise au monde... Qu'est-ce que tu fais? Je n'admettrai pas que cet homme est une héritière, ni qu'on se paie ma tête. Ah, c'est le moment où Mohan tue Lakshmana, quoi. Ouais. Bon, il reste un bouquin. One last. On se qui est par là. Il y a des chances. Bah tiens. Coucou, je suis coincé. Oh joli. Ah bah tiens, regarde, viens ici. Le voilà, donc. Il sait tout, ma liaison, ma parenté avec la cheminée. C'était quoi? Ça venait de dehors. Vite, vite, vite! Vite, ça vient de dehors! Lakshmana! C'était non, ma non, fille! Mon bébé. Oh non! Tu es le responsable. Ishwari t'a supplié de l'aider et tu ne l'as pas écouté. Oh shit! Bitch! Ça fait beaucoup de Pagan, ça. Surtout qu'il y en a des qui ont des putains de lance roquettes. Je dis pas ça pour t'alarmer. Plus de cicatrices.
Ça ne la ramènera pas. Vénère. Toi, tu aurais pu la sauver. Ishwari, ça ne te ressemble pas. Je te hais, Pagan. J'ai l'esprit ailleurs. Je t'aime. Tu as fait tout ce que tu as pu. Putain. Ah. On peut vraiment dire que Pagan a foutu la pagaille. Bon là les blagues. Allez, se prendre pour Dieu. Ou au nom du roi du pays. Ce serait bien d'être un peu mieux armé quand même. Tu vois. Oui. Ah moi j'ai l'argent pour, je pourrais effectivement acheter les armes. Voyons voir. Ouais j'ai 800, ça devrait le faire. Collection. Bon, je sais pas si on peut faire depuis là. Non, mais on va retourner au... au repère, c'est à 800 mètres. Quoique... C'est loin, 800... c'est loin quand même, putain, 800 mètres. Non, mais on va prendre un raccourci. Hop. Hop. Et hop. Ma maman, je me suis fait une... C'est ton appart d'amis, prends de colis. Heureusement qu'il y a les portes. Oula, pardon. Alors, la mitraillette. Et ce sera tout. D'ailleurs, je vais améliorer la mitraillette. Ouais, la mitraillette, je peux l'améliorer. Là, je dois l'acheter. Hein. Oh, tant pis. On va pouvoir y aller. Yes. Oh, j'ai un viseur au lot sur le pistolet, c'est pas mal. Pas un arbre cette fois. Bah j'ai surtout atterri en parachute parce que c'est parce qu'atterrir en wingsuit apparemment ça ça te tue. Ouais c'est pas conseillé d'atterrir en wingsuit. Allez, on voyons voir. Allez, encore une partie. On se retrouve juste après.